ces étudiants payent des prix quand même assez élevés pour étudier, c'est pas les 200 et quelques euros que paye un étudiant français. Et si on veut que la langue française soit répandue dans le monde, on a besoin aussi de ces étudiants qui parlent français. En France en ce moment. Aujourd'hui, je vais vous dire que la plupart des étudiants, vu le prix de l'écolage, partent en Angleterre, en Belgique, ou aux États-Unis. Et nous n'avons plus. Oui. Le regroupement familial, on le maintient ? Bien sûr qu'on le maintient. Un migrant légal qui a sa famille à 5000 km. On fait tout le monde. On fait venir sa famille proche, oui, la famille nucléaire déjà, la maman, les enfants. Qui fera venir sa famille. La famille, écoutez, la famille nucléaire française n'est pas la même que la famille nucléaire en Turquie. Michel Taub. Bon, écoutez. Madame Benassa, et vous le savez très bien. Oui, oui, mais très vous bien, savez vous avez bien. Vos idées. Donc, mes idées, vous les respectez. C'est des faits, vous connaissez très bien en plus ces questions. Je les connais très bien. La conception de la famille, arithmétiquement, n'est pas la même en France ou en Turquie. Non, mais... Par exemple, c'est important. Non, mais je vais vous dire, en Turquie, il est... En Turquie, la natalité est très basse. Oui, oui, on parle de la famille. On parle de regroupement familial. Michel Taub, allez-y. Moi, j'aimerais revenir. Moi, j'aimerais la famille où on serait 12 enfants, 5 femmes, et tout le monde arriverait en parlant de caricature. Moi, j'aimerais revenir sur